Bonjour à tous, c'est John Jonan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on est sur Nanatsu no Taizai Grand Cross, et il est là, Escanor vert est là, je vous en parlais hier, c'était très probable qu'il arrive aujourd'hui, et eh bien c'est le cas. Alors par contre pas de Diane dans le portail comme sur la version Jap, bon, elle arrivera peut-être toute seule après, ou dans un double portail, peu importe. Le portail dure jusqu'au 12 mai, donc 2 semaines, non pas qu'il n'y aura pas de portail la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà, on a quand même 2 semaines pour tenter d'aller chercher ce Escanor, sachant qu'après il sera dans les tickets SSR Garantie partie 2, attention. Ah, il sera également dans ce portail, celui-ci, les tickets, voilà, les tickets humains géants inconnus. Donc, le portail, qu'est-ce qu'il y a à côté qui pourrait nous intéresser? Bon, tout ça, on a tout, je crois, à part Elaine, j'ai tous les personnages. Doublon Galan, je serais très content, Double Arthur, je serais extrêmement content. Après, Jericho également, le reste, ça finira dans le coin shop. D'ailleurs, en parlant du coin shop, ça tombe bien, puisque... Gosser est disponible hein, pour cette pièce. Alors je sais pas quand il sera en promo les gars. Donc de toute façon je pense qu'il n'y a pas le temps d'attendre qu'il soit en promo hein. Clairement achetez-le. Bon il est indispensable à peu près partout. Donc bon notamment pour le poste de guilde c'est quand même extrêmement important. Donc voilà, que dire de plus? Bah rien, on va y aller directement évidemment. On veut Escanor, là oui, petite précision assez intéressante. Il y a l'animation Escanor qui a été ajoutée aux invocations. Enfin l'animation Escanor ça veut dire qu'il y aura 2 SSR dans la multi. Voilà, donc si vous le voyez, ne vous en jouez pas trop vite, ça veut pas dire que vous avez Escanor, ça veut dire que vous avez 2 SSR. Enfin, il y aura une autre vidéo dans la journée, enfin peut-être même 2, mais une première sur la mise à jour, parce qu'il y a plein de choses à dire pour tout vous expliquer très clairement. Et peut-être une deuxième sur le boss, le King Boss, en fin de journée, on verra ça, ou demain, mais bon, on verra bien. Bon, les amis, je compte sur vous, Café LR. La luck. J'ai récupéré mes 50 gemmes du PVP. Voilà, on a packé tout ce temps. Donc là, on espère que... Voilà, Elbram, j'ai pas invoqué... il y avait qui Meliodas, bon j'ai chaté, j'ai fait 2 multi. Bon là, ça sent pas très très bon. C'est quand même un petit peu fort. On va baisser un chouïa. Bon là, on va pas se mentir, ça pue, mais... Bah, on va sûrement avoir un Meliodas ou une Elisabeth SR. Ça sent extrêmement mauvais, à moins que ça switch, hein, mais bon. C'est quand même extrêmement peu probable. Alors ce qui est bien aussi là, c'est que j'avais hâte d'invoquer parce que j'ai plus de coin, hein, j'ai plus rien pour les popos, pour... voilà, donc merci, il me faut des coins là, peu importe. Enfin, là on veut dropper aussi, mais... On veut des coins. Pour les popos d'endurance, notamment. Bon, on va avoir un petit SR Elisabeth Hawk. Voilà, Elisabeth toute seule d'ailleurs. Forcément, allez, on va skip la fin. On n'a rien du tout, c'était très probable. On aimerait avoir du SSR. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça pue la mort. Le skip. Allez, un SSR sur celle-ci quand même. Oh, il fait jour. Oh là 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 là, c'est quoi ces multis? C'est toutes les mêmes. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit, la surprise. Ok, SSR, le contre. Alors peut-être qu'on va voir l'animation, ça serait cool de l'avoir dans la vidéo. Alors si possible pour avoir Escanor, ça serait encore mieux, mais bon. Ça, c'est encore autre chose. En fait, pour l'animation Escanor, il faut que Meliodas perde. Ah, et non, du ouais, il faut que Meliodas perde, en fait, et la boule, elle arrive sur toi. Et après, il y a Escanor qui arrive. Bon, un SSR, il va arriver assez vite, hein. Je crois qu'il va arriver en 3, enfin 4, 5ème position. Donc évidemment, les amis, on prie. Parce que bon, moi, je drop Escanor, bon, je pense que je finis le cycle, mais après, ciao. Hein. Évidemment. Bon, il va arriver très vite, hein. Bon, les SR, j'ai besoin de rien, tout est maxé, enfin ceux que j'utilise, tout est maxé. Donc, peu importe, j'ai envie de dire. Peu importe, peut-être des... Ouais, je sais pas. Allez, on y va, c'est parti. Plus la merde. Plus la merde. Ça finira dans le... Bon, bah, on enchaîne, hein, du coup, hein, rien de... Voilà, je crois... On a un skip rouge, mais je crois que ça veut rien dire du tout. On a la brindille, ça pue un peu. À moins qu'on contre. Non, on se fait pas soulever quand même. Va savoir, je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir, tout est possible. On va peut-être la laisser celle-ci, mais... Oh! Alors peut-être l'animation Escanor? Non. Ah, dommage. On aurait pu l'avoir. Bon, encore un SSR, les amis, bon. Là, on est niveau taux de drop, on est plutôt bien. Oh là, je crois qu'il est tout à la fin. Enfin, pas tout à la fin, mais. Quasiment. Bon, c'est. Bah, c'est pas si mal, mais il. Bah, bon, il... Un bon petit doublon. Un bon petit doublon. Ou Escanor.
Escanor, on n'en parle plus. Enfin, comme je dis, j'irai jusqu'au bout maintenant, mais... Mais voilà. Après, Escanor tape tellement force M1 que... Bon, je pense quand même bien d'avoir des doublons, mais... Mais bon, c'est pas la priorité là tout de suite, hein, évidemment. Après, il sera dans l'étiquette, de toute façon. Allez, Escanor, viens à nous! Ah, Slader! Encore toi, Slader, je t'adore, hein, mais... Bah, c'est, je crois que c'est son dernier doublon pour passer SPMAX. Donc, je vais le mettre SPMAX, même si c'est pas worse, mais c'est la passion, les gars. Bon, on passe. Bon, là, alors là, celle-ci, on va skip, hein. Ouais. Allez, bon, je sais plus, on est avec moi une multi, les gars, franchement, je ne sais plus. On a encore la brindille. Est-ce qu'on peut espérer un petit contre? Non. Bon, on enchaîne. Hein. Je sais plus, on a que mon invocation. Doit être à 4, 5. Je crois qu'on est à 7. Eh, ça va vite, hein, les gemmes. Les gemmes, elles descendent vite. Hein. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a Hawk, on a les yeux qui brillent. Ouais, bon. Rien n'est garanti. Peut-être un contre le coup. Ok, on a un SSR. Encore une fois, peut-être l'animation Escanor, ça serait génial. De l'avoir une fois. Tout est possible encore. En fait, il faudrait qu'on se fasse contrer. Et c'est quasiment sûr qu'on l'a, mais... Ouais, il faudrait que le mob nous contre. Vas-y, Albion, vas-y. Non. 2 SSR, 3 SSR, 4 SSR, 5 SSR, soyons fous, un seul. Oh, il va arriver très vite. Je crois qu'il arrive en deuxième position. Non, direct. Escanor. Escanor. Boum. Oh, ça fait plaisir. Yes. Yes, les gars, on continue. Ah, ça fait plaisir. Et en plus, direct, en fait, c'était la première position. Direct, bon, on va skip le reste. Oh, ça fait plaisir, Escanor. Il est là. Ah, le Escanor. Bon, on va finir le cycle. Hein. Bon, là, 80% les amis, on va finir le cycle, bien sûr. Ben oui, on va finir. Voilà. Ah, on termine les yeux qui brillent encore. Ah, ça fait plaisir, les gars, franchement. Pour tester ça. Oh, le King Boss a qu'à bien se tenir. Bon, après, il est pas indispensable pour le faire, hein, mais... Mais, enfin, si, enfin, je pense qu'en mode les plus durs, peut-être, mais... Bon, là, ça pue. Mais c'est bien, on va skip, non? Ouais. Ok, bah, parfait. Non, mais moi, c'est très bien. À ce stade-là, on dirait pas non un petit doublon, hein, soyons fous. Hein, soyons fous, un petit doublon... Ouais, l'animation, si on peut voir l'animation... Ah, sur celle-ci, ça serait génial, pour conclure. Même si on le drop pas, mais ouais. Là, ce serait vraiment cool, l'animation. Bon, là, y a rien. Oh, y a peut-être moyen, hein. Parce que là, on a une animation de merde pour commencer. Oh, y a peut-être moyen, les gars. Ah, j'espère qu'elle va tomber. Bon, après, ça se trouve, non, mais on verra. Vas-y, là. En plus, ça veut dire qu'on aurait 2 SSR, donc c'est génial. Allez. Oh, mais... Ah, bah non, on l'aura... Enfin, quoi que, attends, on peut peut-être l'avoir, en fait. Attends, je sais pas. Ah si, on peut encore l'avoir, vas-y, contre moi. Oh, non. J'ai confondu, putain, quel con. Oh, j'ai vu que ça a un peu avancé, mais... Enfin, bon, bref, bon. 2 SSR? Non, un seul. Bon, ok, c'est pas grave, tant pis. À moins qu'on ait un switch, mais... Ok, bon. Ah, dommage. Bon, pas l'animation, c'est pas grave, tant pis. C'est... ça restait très secondaire comme objectif, mais on aurait kiffé l'avoir. C'est dommage, parce que dans ma précédente vidéo invocation, enfin... Celle sur Gosser, je l'aurais eu l'animation. Ah, je l'aurais plusieurs fois, je crois. Laisse tomber, quoi. Bon, aujourd'hui, la vidéo en location, c'est qualité. C'est pas quantité, c'est qualité. Enfin, après, quantité, je crois qu'on est, correct hein, au niveau du taux. On a eu quand même 2 SSR autres. Donc, je crois qu'on a un taux normal. Hein. Donc, en soi, ça va, y a rien à dire là-dessus. Un doublon quand même utile pour moi, Slader. Après, bon, j'avoue, Gila, ça finit dans le coin shop. Bon bah, pour finir, un doublon utile, ça serait bien, voilà, bon, évidemment, Escanor en premier lieu, bon, je dirais pas non. Allez, le deuxième. Ah, Elaine, bah écoutez, franchement, je vous jure, j'allais dire, ou pourquoi pas Elaine, parce que je l'ai pas, encore, et bah voilà. Bah écoutez, pourquoi pas, je suis très content, je l'avais pas, bah c'était le perso qui me manquait, je vous l'avais dit au début. Ok, moi bah, ça me va très très bien, elle peut être cool pour le King Boss, même si c'est, enfin... A voir quand même, je pense que Merlin est peut-être plus intéressante quand même. Mais on prend. Bon, que dire? Alors oui, il nous reste. On va faire le ticket SSR ici. Hop. J'ai récupéré de la semaine. Donc bah, pareil que tout à l'heure, Arthur ou.
Oui, non, Arthur, j'aimerais bien, le gosseur bleu, j'aimerais bien pour le costume. Sinon, Arthur, une Matrona, je dirais pas non. Bon, il y a encore des persos que j'ai pas, moi, bon, je vais pas tout détailler encore une fois, mais. Une Matrona, je dirais pas non pour King Bleu. Ouais, à doublon, doublon utile. Bon, on verra bien. On verra bien, je commenterai sur le moment. On skip ou pas? Bah, après, en fait, c'est dommage parce que le skip, tout le monde direct la carte. J'aurais aimé que le skip arrive au moment où le cristal il pète. Comme ça, voilà, tu peux réagir parce que là, en fait, si je skip direct, on voit direct le. Bon, bref, t'as compris. On va laisser. On va laisser. Hop. Donne-moi une Diane Matrona, je serais très content. J'en ai aucune. Mon Fat King, j'en ai un des deux maintenant. J'ai pas le ban vert mais qui est bien en King Boss. Pourquoi pas? Donc, allons-y. C'est parti. Ah bah non. Bah ça, ça finit dans le coin parce que j'ai déjà SP max. C'était décidément Hauser, il me kiffe. Bon, je l'adore aussi, hein, soit dit en passant, mais. Je l'ai déjà à fond en fait, il est déjà SP max. Bah voilà les amis, écoutez, il est là, on a aussi Hélène que j'avais pas, je suis très content, voilà, c'est ça, c'est les persos qui me manquent. Donc c'est super cool, alors on va aller checker vite fait les costumes. Bon ça c'est ok. Ouais, celui-là est sympa. Bon, je suis pas trop fan de celui-là. Tu vois, c'est une fois qu'il est éveillé. Ouais, puis bah en vrai, ok, c'est sympa, mais je trouve pas ça incroyable. Enfin, totalement subjectif les gars, c'est totalement subjectif. En fait, moi j'adore son costume dans son armure en fait. Son armure qu'on voit après, mais bon. Bon, ça, non. Enfin, souvent, ces trucs-là, je les trouve pas incroyables. Parce que ça dénature un peu trop le perso. Bon, après, ça donne des stats. Bon, ça fait penser un peu à Gattai, ça. Dédicace à Shire. Là, c'est sa coiffure quand il était plus jeune. Et puis là, de toute façon, on va récupérer dans l'event. Alors, est-ce que c'est celle-ci qu'on récupère? Je ne sais pas. Non, c'est celle-ci, je pense. Ouais, c'est celle-ci. H sacré rite. Ouais, c'est celle-ci qu'on récupère. C'est la vraie, quoi. Enfin, le vrai, véritable skin, on va dire. Ok, bah les amis, écoutez, on va s'arrêter là, je suis ultra content, on va pouvoir monter ça ensemble et tester en PVP, en PVE, tout ça, enfin voilà, on va tout tester. Donc voilà, tout à l'heure une vidéo pour faire le point sur les mises à jour, parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qui ont été rajoutées, et peut-être tout à l'heure une première vidéo sur le King Boss, on verra bien, et puis je pense que demain il y aura du showcase de Escanor. Passez tous une très très bonne journée, good luck à vous si vous n'avez pas encore invoqué, des bisous à tous, à très bientôt.